Bonjour tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter le double des marques. Donc, vous connaissez le double, je suppose, tout le monde connaît le double. J'avais fait une vidéo il y a assez longtemps maintenant, au tout début de Ludiworld, où j'avais présenté le double traditionnel. Donc, je vais vous présenter le double des marques. C'est un nouveau double, il y a eu plusieurs doubles de sortie qui me paraissait quelquefois anecdotique. Celui-là l'est tout autant, mais je trouve ça assez marrant, donc voilà, ça s'explique pas, j'aime bien le double des marques. Donc voici la boîte, hop, vous pouvez la voir en un petit peu plus près, on va dire. Donc le principe du double des marques, on va passer sur la caméra sur le côté. Vous avez toujours des cartes, hop, voilà, je vais pas toutes vous les faire voir, hein. Mais vous avez des cartes toujours avec des symboles identiques. Là, en l'occurrence, c'est des logos de marque. Et le but du jeu, c'est de trouver les symboles identiques entre deux cartes. Il y a toujours deux symboles, un symbole identique entre deux cartes. Donc là, par exemple, ça va être Optique 2000 et Optique 2000. Donc la caméra est un petit peu... Voilà, vous voyez bien. Si je prends ces deux cartes là, par exemple, ça sera Ariel et Ariel. Entre ces deux là, ça sera... Toc, 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 toc. Ben, vous voyez, c'est pas évident. Frosties, non. Ben, ça sera Miel Pops. Voilà, ici et ici. Donc voilà, bon, c'est pas forcément évident. Là, la caméra, elle est dézoomée pour vous faire voir un petit peu la table de jeu en grand, mais le principe reste inchangé. Donc vous avez plusieurs marques, hein. Vous avez le Volvic, le KFC, Vittel, Knorr, Dove, Febreze, Perrier, Ariel, Babybel, Vittel, La Vache qui rit, Gulli, Danone, Asmodée, Adidas, Cornetto, Duracell, Old El Paso, Kiri, Novotel, Jungle Speed, Limited, Magnum, etc., etc., etc. Donc comme le double normal, vous avez la petite règle du jeu qui accompagne le jeu avec 5 règles différentes. Vous avez la tour infernale, donc je vous explique brièvement sur la caméra déportée. Hop, ce qu'est le principe de la tour infernale. On va distribuer une carte à chaque joueur. Admettons qu'on soit 3. Voilà. Hop. Il y a la pioche centrale. Au top départ du jeu, chaque joueur retourne leur carte, les joueurs regardent le paquet du milieu et dès qu'on a trouvé un symbole identique, on l'annonce, on prend la carte chez soi et ainsi de suite. La partie s'épuise dès qu'on a vidé la pile. Celui qui a récupéré le plus grand nombre de cartes gagne la partie. Donc ça, c'est la première variante. Vous avez la deuxième variante qui est le puits. Donc là, c'est complètement l'inverse. On repasse sur la caméra déportée. On va ce coup-ci distribuer toutes les cartes à tous les joueurs, donc j'ai mis au hasard. On retourne une carte centrale. Au top départ, les joueurs retournent leur paquet et dès qu'un joueur trouve un symbole en commun, il dépose la carte dans le puits central, ainsi de suite, ainsi de suite. Le premier qui a éliminé sa pile gagne la partie. Donc ça, c'est la deuxième variante, ça n'a toujours pas changé. Vous avez la troisième, c'est la patate chaude. Alors ça, je trouve ça très marrant aussi. Je vais vous faire voir sur la caméra déportée. On file comme d'habitude une carte à chaque joueur. Les joueurs gardent leur carte dans la main. Et le but du jeu, c'est dès qu'on a trouvé le symbole, on donne la carte à un adversaire. Et le but du jeu, c'est d'éliminer le joueur. Enfin, en fait, quand vous êtes le dernier à récupérer la carte, vous avez perdu. Vous récupérez les cartes et à la fin de la partie, c'est celui qui a le plus de cartes qui perd la manche. Donc ça, c'était la patate chaude, la troisième variante du jeu. Vous avez la quatrième variante du jeu, c'est attraper les tous. Donc à chaque manche, je suis en train de lire en même temps parce que celle-ci, je ne m'en souviens plus beaucoup. C'est un mini-jeu voilà, qui se joue en plusieurs manches. À chaque manche, on va distribuer face visible une carte au centre de la table. On donne une carte face cachée à chacun des joueurs. Au top départ, on va retourner les cartes. Et là, le but du jeu, c'est on va regarder la carte centrale, on ne va pas y toucher, on va devoir trouver les symboles identiques avec les cartes qui sont à l'extérieur. Et là, chacun joue pour sa peau, et le but du jeu, c'est de récupérer
le plus possible de cartes. Donc celui qui est rapide, il peut choper les 4 cartes de la manche. Et dès que c'est fini, hop, on remet une carte centrale, on remet des cartes, et ainsi de suite. Et celui qui a chopé le plus de cartes remporte la partie. Donc ça, c'était la dernière, enfin l'avant-dernière variante. Et vous en avez une cinquième, qui est le cadeau empoisonné. Donc là, on fait une pile centrale. Hop, voilà. On va distribuer une carte à chaque joueur. Au top départ, on retourne pour commencer à jouer. Là, on ne va pas regarder sa pile, mais on va regarder la pile adverse. On va regarder la pile centrale. Et là, le but du jeu, c'est de donner des cadeaux empoisonnés à ses adversaires. Et naturellement, celui qui a le moins récupéré de cartes gagne la partie. Donc voilà, c'est les 5 variantes identiques au double. Il n'y a rien de très très original, si ce n'est que voilà, si vous avez joué beaucoup beaucoup de fois au double, vous avez tendance à connaître bien les symboles maintenant, et bah voilà, là ça permet de continuer à jouer au double avec des nouveaux symboles. Je trouve ça vraiment très 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 sympa. Je pensais au premier abord que ça serait plus simple que le double normal, parce que ça utilise des logos qu'on a l'habitude de voir assez souvent à la télé ou dans la vie courante, et bah finalement c'est pas évident. Je pense qu'il va y avoir un temps d'adaptation pour bien visualiser la taille, les couleurs des logos, etc. avant de maîtriser le jeu. Donc voilà, bah ça reste du double. Moi je trouve ça très très bien, j'adore ce jeu là. Et donc c'était la présentation du double des marques. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker les vidéos, à les partager. Vous pouvez vous rendre sur la boutique pour acheter vos jeux. Ça me ferait plaisir. Et si vous aimez bien ce que je fais, bah continuez à me soutenir. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut !